Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans ma série je tente des choses, voilà. Aujourd'hui je vais refaire une carte. Et je vais tenter un fond de carte avec du papier d'alu. Voilà. Donc j'ai fait avec le papier toilette, vous l'avez vu, je vous remets la vidéo ici. Et aujourd'hui, je vais tenter avec du papier d'alu et après, je vais voir. Voilà. Donc, je vais utiliser le... je vais pas changer. Je vais utiliser le même classeur d'embossage. Je l'aime bien, en fin de compte. Il est super beau. Donc, je vais utiliser le même classeur d'embossage que j'ai utilisé la dernière fois. Donc, pour celles qui ne l'auraient pas vu, c'est celui-là. C'est un Cizik. Voilà. Bon, les dies, j'ai pas rangé mon bureau depuis la dernière fois, donc les dies, j'ai toujours les papillons sous la main. Il y a un bordel, mais il y a un bordel. Je crois que j'ai encore utilisé les papillons, parce qu'il faut en plus que je range mon atelier. Mercredi, c'est journée copine création. Donc là, vous allez avoir vidéo. Avec mon amie Sylvie, qui vient passer la journée chez moi. Donc, on va faire de la création. Je ne sais pas ce qu'on va faire encore, mais on verra. Donc, bon, je pense que je vais refaire avec le papillon. Voilà, à peu près. Mais, bon, j'ai changé la couleur du fond de carte. Là, j'ai toujours pris une petite, hein, 10,5 sur 14,5. Mais là, c'est une bleue. J'ai pris également des cartes stock, donc je ne sais pas lesquelles je vais utiliser, mais on va voir. Donc j'ai pris trois couleurs. Le bleu foncé métallisé, le bleu plus clair, un peu turquoise, et le rose. Voilà. Bien sûr, j'ai pris du papier d'alu. Voilà. Ça, je vous l'ai montré. Bon, les dies. Je vais encore utiliser ma bombe de colle, mais si vous l'avez pas, bah vous pourrez mettre de la colle blanche liquide, hein, derrière. Le double face, je pense que vous pourrez l'utiliser aussi, à voir. Et je pense que ce sera tout, on verra. Et je mettrai sûrement un sentiment en stickers dorés. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite par faire le fond de carte en papier d'alu. Alors, je vais m'installer un petit peu. Oh là là, ah oui, si vous voyez mon atelier. Ah oui, il faut que je range, absolument. Parce que sinon, je ne sais pas comment on va faire mercredi. Donc, la Big Shot, bien sûr. Hop là. Alors, je change la caméra de... Donc voilà. Donc ça, j'ai deux feuilles en plus. C'est pour mettre au-dessus des plaques pour qu'il y ait un peu plus d'épaisseur. Donc j'ai coupé mon papier d'alu à peu près à la grandeur de mon classeur d'embossage. Voilà, donc je le mets dedans. Jusque-là, il n'y a pas de difficulté. J'ai préparé ma plaque. Hop. Alors, je vais vous tourner, peut-être que vous verrez un petit peu. Alors, attendez, j'essaye de vous remonter. Voilà. Donc, sur ce classeur-là, d'accord. Hop, et je vais mettre mes deux feuilles au-dessus pour qu'il y ait juste une toute petite épaisseur en plus. Et on mouline. Allez, je refais un passage. Donc, ça je peux remettre pour faire mes découpes après. Pardon. Donc, je vous montre le résultat. Je vous remets bien. Je vous rabaisse un peu. Voilà.
Donc voilà ce que vous obtenez. Donc votre embossage s'est imprégné dans le papier d'alu. Donc le classeur d'embossage, j'en ai plus besoin. Ça, je vais laisser sur le côté une seconde. Non, mais... Alors, à voir quel papier je vais mettre. Pour faire le fond. En papier d'alu, c'est vraiment très... Comment ? Très fragile, hein. En plus, là, c'est pas du épais. Si vous en avez du épais, prenez du épais. Mais bon, moi, c'est du fin, hein, c'est du pas cher. Donc, il n'y a pas de souci. Lequel je vais mettre L'idéal, ce serait celui-là. C'est ce que je vais faire. J'ai mon truc pour découper. Oh là là, j'ai un boxon. Regardez, il y en a partout. Alors, comme je disais que là, ça fait... je vais faire 14,3. Allez, mon crayon. Ah, mon crayon, la mine, elle ne veut plus rester. Voilà. Et de l'autre côté, je vais faire donc 10. Voilà. Et du coup, je vais mettre derrière. Alors 10. Je vais faire 10, 2. Alors, 1, 2. Pour qu'il y ait une petite bordure rose entre les deux. Alors, 10, 1, 2. Voilà. Je pense que ça ira. Et j'ai fait 14, 3. Donc je vais faire 14,3, je vais faire un petit trait au crayon, ce sera plus prudent. Donc 14,3 plus 2, 14,5. Donc il n'y a presque rien enlevé. Voilà. J'ai plus besoin pour l'instant, enfin même du tout. Est-ce que j'ai bien compté? J'enlève encore un millimètre à celui-là.
Alors, je suis à 10. Donc, j'enlève 1. Et là, je suis à 14, 3, 1, 2, donc voilà. Normalement, ça devrait aller. Voilà, comme ça j'aurai une petite bordure rose, vous voyez, pour mettre ici. Alors j'espère que là ça va aller. Ouais, pile poil, c'est bon. Alors là, je vais utiliser le double face. Que je... Là, c'est l'envers. Mais de toute façon, là, envers ou en droit, bon, il n'y a pas trop de problème puisque on le verra presque pas, le bleu. Ah oui, comme je vois mon atelier, c'est... Oh, c'est Hiroshima. Il y a une bombe qui a éclaté dedans. Donc, je crois que demain, c'est grand nettoyage. Enfin, grand rangement. Nettoyage, non, c'est pas sale. Allez. Voilà. Donc comme ça, j'ai une petite bordure rose tout autour. Et donc ça, on le mettra ici. Donc, avant, il faut que je voie. Donc, je vais couper mon papier d'alu à peu près aux bonnes dimensions. Alors là, je vais faire au ciseau parce que le papier d'alu, ben, ça se déchire. Surtout celui-là. Oh, j'ai la tremblote en plus. J'ai la tremblote, mes amis. Voilà. Donc c'est bon. Alors maintenant je vais mettre la colle dessus. Donc pour mettre la colle, je prends mon petit sopalin.
Il est aussi beau sur l'envers, hein, vous voyez. Là, vous pouvez un peu le... l'arranger si vous voulez sur les coins. Voilà. Yeah. Donc, on va lui mettre du double face. Ce que j'aurais dû faire avant, mais bon. Regardez que ma carte est dans le bon sens. Mon dessin aussi. Voilà, pour l'instant. En plus, ça brille. Alors là, comme le papier d'alu est argenté, après, je vais choisir un sentiment en couleur argentée, bien sûr. Bon, là, j'ai dit, je vais refaire les papillons. Je ne vais pas m'embêter aujourd'hui. Voilà, ces deux papillons-là. De toute façon, j'adore les papillons. Puis même, il y a des papillons sur le... le classeur d'embossage. Donc là, les papillons, ben, du coup, je vais les faire en rose. Comme ça, ça va rappeler la bordure rose. Je vous fais bouger. Alors, ma petite brosse magique. Sortir mon petit papillon. Donc voilà le premier. Qui viendra là. C'est exactement pareil. Hein. Vraiment aujourd'hui, je m'embête pas. C'est dimanche matin. Donc j'ai pas envie de m'embêter. Allez, deuxième.
Et il pleut chez nous. Celui-là, c'est bien, il s'enlève tout de suite à chaque fois. Hop, donc, je vais rester sur le plateau. Voilà. Quelques petits qu'on enlève, c'est pas grave. Alors je me demande si je vais pas les mettre en double, les papillons. Mettre un bleu en dessous. Oui, je vais mettre un bleu en dessous. Pour dire que ça ressorte. Désolée, hein, je vous fais vraiment bouger. Mais bon, j'ai pas la Big Shot électrique. Hein. Et en plus, je tiens rien dans mes mains aujourd'hui. Voilà. Alors oui, je vais le mettre en double, comme ça. Alors, soit je mets le rose en dessous et le bleu au-dessus. Je vais voir. Donc je vais recouper le petit. Ah bah ouais, là il s'est bien défait entièrement. Donc. Alors j'avais ici mes carrés de mousse. Donc je vais faire l'inverse. Vous voyez, ici par exemple, je vais mettre le rose en dessous. Et le bleu au-dessus. Et là, je vais faire le contraire. Ouais, voilà ce que je vais faire. Ah, j'ai un bout de washi qui s'est collé sur mon papier d'alu. Voilà. Alors, pour coller directement là, je vais mettre du fin. Les fins carrés de mousse. Voilà. Le bleu, là, je vais mettre un carré de mousse un peu plus épais. Là, j'en mets deux.
Là, ce qu'il faut, c'est bien se mettre. Et on va faire pareil, mais dans l'autre sens, pour les deux autres. Alors là, comme il est plus petit, je vais faire comme l'autre fois, je vais le couper en deux. C'est presque chirurgical, hein, ça. Donc là, d'abord le bleu, que je me trompe pas. Voilà. Et maintenant le rose. Alors, j'ai perdu ma petite moitié. Oui, bon, ben, ça y est, je vais recouper un. Non, non, c'est un grand qu'il me faut de toute façon. Je suis bête. Pardon. Allez, arrête de trembler. Voilà. Je sais plus si vous voyez à l'envers ou à l'endroit, donc je vous mets dans les deux sens. Donc maintenant, ça, j'ai plus besoin, enfin j'en aurai encore besoin, mais je vais mettre sur le côté. Mes chutes de papier, ça j'en ai besoin. On va faire le petit sentiment. Donc pour ça, j'ai besoin de mes étiquettes, hein, vous vous rappelez. Alors, mes étiquettes, je vais faire rose et bleu. Déjà, je vais choisir le sentiment que je vais mettre. Donc c'est ça, hein, mes sentiments. Donc, je vais chercher un argenté. Alors ça c'est meilleur vœu, non. Un happy birthday, mais là c'est un très grand, donc ça va pas. Joyeuse Pâques, mais avec des papillons, ça le fait pas. Joyeux Noël, non. Bonne fête. Bon, on va sortir le bonne fête si je trouve rien d'autre. Non, de ce côté-là. Alors. Là, il y a Happy Birthday, plus petit. Ouais, bon, joyeux anniversaire. Je l'ai en français, c'est peut-être mieux. Je préfère quand c'est en français. Ouais, bon, je vais voir lequel des deux ira mieux. Alors, la grande étiquette, je vais la faire en rose. Oh là. Les étiquettes, ça fait toujours un bruit d'enfer quand on les fait. Et le petit, donc je vais finir avec celle-là si ça rentre. Oui,
Je vais le faire en bleu. Voilà. Donc je vais d'abord voir pour coller. Alors lequel qui ira mieux. Je crois que c'est Bonne Fête qui va rentrer mieux. Je vais essayer là. Non, anniversaire, ça ne rentrera pas. Et c'est combien? Cinq et demi. Ah non, ça ne rentre pas. Donc on va faire Bonne Fête. Donc, maintenant, non, je peux le fixer définitivement. Donc ça, c'est les fins. Je ne veux pas les fins. Je veux les plus épais. Enfin, c'est pas encore les plus épais. C'est... Elle est en 3D. Voilà, et ça on va le mettre à l'endroit si possible. Voilà, ah, mon Dieu, mon Dieu. Et maintenant, on va mettre du 3D derrière celui-là. Voilà. Voilà, on y arrive. Donc, je vais mettre mon sentiment ici. Voilà. Petite perle, comme d'habitude, ça on n'y échappe pas. Alors, est-ce que je mets celle-là ou est-ce que je vais en choisir des autres? J'ai d'autres perles encore, mais il faudrait que
Alors, j'ai les bleus. Là, en fond, j'ai quoi? Non. Non, je vais mettre mes blanches, comme d'hab. Allez, j'en ai déjà qui se barre. Viens ici, toi. Ah! Vous voyez, avec un seul modèle de carte, on peut faire plusieurs versions, du coup. Là, tiens, je vais mettre là ou là. Non, là. Ça changera. Je disais, avec un seul modèle de carte, ben, on peut faire plusieurs versions. Donc là, c'est la version papier d'alu. Voilà. Et peut-être, alors, attendez, je regarde. Si je mets du bleu, peut-être, pour ressortir. Oui. Qu'est-ce qu'elle met? Voilà, voilà, voilà. Ma carte est terminée. Comme d'habitude, j'ai eu peur d'avoir fait dans le mauvais sens. Je vous remets dans le bon sens. Donc voilà, ma carte en papier d'alu. Voilà, ça brille, hein. Donc toujours avec les papillons. Donc vous voyez, j'ai voulu faire le même modèle. Voilà, j'ai pas voulu m'embêter. C'est ce que je voulais vous montrer surtout, c'était le fond de carte. Voilà, désolé, ça brille vraiment beaucoup. Donc là, ça ne bougera plus, hein, puisque c'est collé. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, bah, du coup, avec papier d'alu, ça ne peut être qu'en doré, en argenté, hein. Et après, on peut faire avec d'autres papiers... papier métallique, de toute façon, qu'on aurait. Donc voilà. Voilà notre petite carte du jour. Donc là, c'est un bonne fête. Hein. Bon, j'ai galéré. Je sais pas, ma plaque est peut-être trop vieille et que la colle, elle va plus très bien, mais bon, c'est rien. Voilà. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà essayé avec du papier d'alu, hein, pourquoi pas, parce que c'est peut-être pas moi. Je l'ai pas vu, j'ai pas vu sur les vidéos, mais bon, j'ai peut-être pas inventé la technique non plus, hein, voilà. Mais enfin, j'aime bien l'effet, ça change, voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure. À bientôt, bisous, bisous.